Eh bien, salut à tous les amis! Comment ça va, Tibita? C'est Tonton Bertie. On se retrouve toujours dans les conditions du direct pour une petite diffusion en live qui sera retransmise sur YouTube. Et en fait, si vous avez vu ma vidéo juste avant, j'avais dégoté un bon petit vieux jeu Goldorak que je voulais vous montrer. En faisant quelques petites recherches, il se trouve qu'il y a pas mal de fans qui ont créé un autre jeu, celui-là, avec le moteur de jeu Mugen. C'est un genre de jeu qui permet de faire des jeux de combat dans le genre Street Fighter et King of Fighter, des jeux de combat uniquement en 2D, je précise bien en 2D. Et voilà, il y a de quoi faire, hein. C'est un truc qui date déjà de 2001-2002 par là, et c'est un moteur de jeu qui est à libre disposition. Donc il y a eu pas mal de trucs, il y a eu des Dragon Ball Z, il y a eu plein de trucs, et cette petite perle là, donc de Goldorak, tirée de l'univers de Goldorak. Alors moi je connais pas bien le manga, je connais que l'animé. Mais là, il y a tous les personnages principaux du manga. Donc, pour commencer, on va se faire une petite démo, tout simplement. J'ai vu qu'on pouvait, parce que je suis pas super bon en jeu de baston. C'est vraiment pour vous montrer un peu le délire. Donc on va se mettre en single. Alors là, je peux choisir. Pour ceux qui connaissent, regardez tous les personnages, il y a Majin Gear Z. Alors, on voit l'avatar du personnage qui pilote le robot. Là, c'est Gret Mazinger. Là, Grandizer, donc pour nous Goldorak en France, on reconnaît bien Actarus, qui pilote Goldorak. Roboizer, je ne connais pas. Jig Robot, alors la tête du mec me dit quelque chose, mais le robot rien du tout. Minerva X, alors là je fais ça vraiment pour les fans hein, qui connaissent bien. Moi j'aime bien Goldorak parce que c'est mon époque, mais j'en suis pas à le vénérer à ce point-là. Devilman, Black Gator, alors ils ont repris des bons petits dessins d'époque, très très sympa. Gator Queen, Gator 3, Gator 2, Gator 1, Great General of Darkness. Ah, ça c'était le chef de l'armée de Vega, non, je crois. Général Yuri Kaisar. Ah, ça c'est les méchants. Général Angoras, Général Dryato, Général Ardias, Général Rigarn, Dante. Oh, il y en a pas mal. En plus j'ai rajouté des personnages, donc ça c'est tous les personnages que j'ai rajoutés. Donc nous on va prendre, Grandizer contre Grandizer. On va prendre Goldorak contre Goldorak, tiens ça va être marrant. Non, attends, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça que je voulais faire du tout. Single, yes. Grandizer, single. On va prendre Grandizer aussi. Alors voilà, une petite mode démo. Je vais fermer ma gueule. Je vais même arrêter le micro certaines fois dans cette vidéo. Donc si vous m'entendez pas, ne vous inquiétez pas. Et on va prendre le stage de... Il y a plein de stages sympas, vous allez voir aussi. Le stage de Goldorak, un stage Goldorak, je crois, spécial. Grandizer stage. Allez, à tout de suite, les amis. Après, on y jouera, hein, vous inquiétez pas, on se fera une ou deux parties. J'ai déjà essayé, c'est super jouable, hein. Je vous dis, ça vaut Street Fighter 2 et 3, on va dire. Il y a pas mal de combos à faire, c'est assez complet, hein. C'est pas un petit moteur de jeu, c'est un bon petit truc. Alors, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo de tous les jeux compatibles, et vous pouvez les choper. C'est entièrement gratuit, hein, vu que c'est fait par des fans. C'est du gros fan-made. Alors là, franchement, Goldorak contre Goldorak, ouais, j'avais jamais vu ça. Petit Astéroh, encore là, ils font pas beaucoup de plus spéciaux, mais on a les fulgures au point, on peut tirer nos points, on a le truc en V là sur le torse, le laser, je sais plus quoi, qui marche aussi. Ah, mais il y a vraiment des grands malades hein, qui font. Oh là, petit pouvoir spécial. Mec, le temps qu'ils ont dû passer à faire ça, regardez la petite passe de Goldorak qui derrière, là, de là où il décolle, super bien faite. Hein, franchement, bravo les gars. Même si ça commence à être un peu daté, hein, je découvre ça sur le tard. Alors je vais faire d'autres recherches, peut-être qu'il y en a qui ont fait des jeux sur Albator, sur Capitaine Flamme, et je ne sais quoi, j'ai vu qu'il y avait Dragon Ball Z pas mal, One Piece, je vous mettrai le lien.
Mais il doit y avoir des petites perles comme ça. Deuxième round. Actarus versus Actarus. Elle est pas belle l'histoire. Je vous ai mis un petit Goldorak avec le logo Mugen sur la droite là, parce qu'en fait c'est du 1024x768. Donc ça faisait des grosses barres noires sur les côtés. Donc j'ai un peu meublé. Au passage, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, toujours. Ça fait plaisir. Petite montée en flèche des abonnés en ce moment, c'est cool. Comme j'ai un peu de temps, je fais péter des vidéos. C'est surtout que j'en ai souvent du temps, mais j'ai... Là, je suis tombé sur quelques petites perles qui méritaient le détour. Excellent. Ouh. Franchement, c'est sympa, on se met en mode démo comme ça, on se croirait dans le dessin animé. Yes! Oh, il l'a soulevé. Au début, il avait fait un coup de figure au point, là, on peut lancer figure au point. Wow! Eh, mais c'est énorme, c'est limite plus intéressant à regarder que le dessin animé. Au niveau des scènes d'action. Pas pour le scénario, laisse tomber. C'est excellent. Je suis comme un gamin quoi. Alors, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir et que comme moi vous ne connaissiez pas. En tout cas moi c'est un scoop pour moi. Bon on va passer. On va aller voir ce que ça donne en jeu. Alors je vais me mettre en mode arcade. De toute façon que là je joue avec la manette, j'ai configuré les touches. Donc on va prendre Goldorak. Et contre qui va-t-il me mettre? Bah là c'est le mode histoire en fait. Donc, ça va être au hasard, ouais voilà. Oh, les petites animations. Qu'est-ce que j'ai comme touche? Coup de pied, coup de pied. Coup de pied. Coup de poing. Et c'est ça le fulgure au poing. Regardez, fulgure au poing dans ta gueule. Yes. Après, je peux en faire aussi des rayons laser. Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'indien? Un robot indien. Je suis carrément contre deux mecs. Alors, on essaye de s'en sortir comme on peut. J'essaye de faire des combos. Avec un petit peu de chance, là je fais n'importe quoi mais ça marche bien. La technique du mec qui appuie sur tous les boutons. J'ai gagné. Astéroïde dans ta face. J'ai du repos dans ta face. Ah mais ils sont nombreux putain. En tout cas c'est bien jouable hein. Je pense qu'avec un peu d'entraînement il y a moyen de faire quelque chose. C'est comme Street Fighter hein, comme tous les jeux de baston en 2D quoi. J'avais déjà entendu parler de ce moteur. Je ne m'y étais jamais attardé. Ok. Décédé. Round de 3. Ouh, j'ai fait un coup spécial. Oh, vous avez vu, ça a envoyé mon vaisseau. Je sais pas ce que ça fait. Ça doit les niquer. Mais putain, mais il y a combien de... Il y a combien d'ennemis comme ça? Chaud. Ils sont trop nombreux, au secours, au secours. J'ai peut-être mis un mode spécial, double KO. Ok, on va retourner dans le menu. Alors il y a pas mal de modes proposés, ça c'est dans tous les jeux Mugen. Un versus mode, donc pour jouer en local. Pour jouer en local en team. En versus, team coop. Survival. Où il faut rester le plus longtemps possible sans être KO. On regagne pas son énergie. Survival coop, enfin y a de quoi s'amuser. Écoutez, on va essayer de faire un petit une petite partie en... Regardez, on va mettre plusieurs joueurs, hop. En spectateur. Donc on va prendre ce qu'on connaît. Machine Gear Z, ok. Et lui, ok. Simule. On va mettre en simule, je sais pas ce que c'est. On va se mettre contre le méchant là. Et... Et lui, il a une bonne tête. Allez hop, stage random. Et je vous laisse admirer. Ah ouais, c'est du 2v2. Il
J'ai hâte d'aller voir les autres jeux qu'ils proposent. S'il y a du Real Batter ou du Capitaine Flamme, parce que ça c'est des trucs qui n'ont jamais été faits en jeu vidéo. S'il y a ça, franchement je vous ferai une petite vidéo. Espérons. Putain, il est balèze le méchant là, le chef de Vega. Avec son truc sur le ventre là, son deuxième visage sur le ventre. Oh, c'est vachement fouillé hein. C'est vachement fouillé Aka, je vais remettre en simple. C'est sympa de pouvoir être spectateur comme ça. Je vais tous les essayer. C'est comme si on était devant le dessin animé en fait. Des épisodes qui n'ont jamais existé. Alors, on va reprendre Goldorak. En simple. Et avec qui on va le prendre? Est-ce qu'il y a Alcor? Alcor qui est un qu'on voit quand même souvent dans la... Merde. Dans la série. C'est lui, je crois. Ouais, c'est lui. Goldorak contre Alcor. Pourtant, c'est des amis, hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Grandizer Storage Jammy. La base. La base. Oh, c'est magnifique. Je sais pas si c'est Alcor lui, non. Je ne crois pas. Alors, les fans de Goldorak qui regardent cette vidéo, déjà merci d'être là. Mais si vous pouvez me donner des précisions dans les commentaires, c'est pas de refus. Bonne petite musique bien rétro derrière. Putain, ils ont vraiment repris les mêmes sons et tout. C'est vraiment un beau travail de passionné, franchement. Ça fait plaisir à voir. Oui, en faisant quelques petites recherches sur internet, on trouve vraiment des petites pépites. C'est ça qui est bien. Allez, on va essayer de se battre contre un autre. Toujours ce bon vieux Goldorak contre... Si on pourrait prendre un méchant ou un... Le problème c'est que je les connais pas les mecs. Qu'est-ce que c'est que ça? On va essayer contre Apollo A1. Apollon A1, je connais pas du tout. Star Hunter, faites-nous plaisir. La planète Terre derrière. Ouh, bah ça commence super bien pour ma gueule. Ouais. J'aime moins le skin du. Avec les droits du robot là, je trouve pas qu'il soit super bien fait. Ouais, bof. Tentons un autre. Goldorak contre... Allez, on va le mettre contre le petit gros, là, il a l'air marrant, lui. Ça peut-être me dit quelque chose, mais... Oula. Un handicapé. Un cul de jatte. Mon dieu. Non, je ne veux pas me battre contre un handicapé, ça ne se fait pas. Le mec il est cul jatte quoi. Imagine il défonce Goldorak sans les gimbals. Ce serait malheureux quand même, bah, c'est bien parti. Ah oh, c'est pas bien Goldo. Putain fulgure au point. C'est pas bien Goldo ce que tu viens de faire. Oh il a aucune pitié Goldorak. Ça fait mal ça. Ça fait très très mal. J'aime bien par contre le l'avatar en bas à droite du pilote. Alors, pour l'instant je mène un peu. Enfin je mène. En admettant que ce soit moi Goldorak. Ouh.
Ouh, il a voulu m'envoyer des missiles. Attention. Oh, petit coup spécial. J'espère que ça va pas m'achever. Non, c'est bon. Ouah, bah ça y est, il est plus cul-jat. Non mais oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a combien de personnages comme ça? Oh putain. Oh putain, je vais crever. Non, pas le cul-jat. Pas par un cul-jat. Oh putain, sa mère. Terminal at clopina la morte. Ok, excellent. Allez, on s'en fait un petit dernier, puis je vais vous dire au revoir, les amis. Il se fait tard. On va prendre Goldrak contre celui qui lui ressemble le plus. Great Mazinger. Allez les amis, on va se quitter là-dessus. Je vous laisse regarder le combat et après je vous dirai au revoir. Tous les liens seront dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Je vous conseille fortement de tester ça, c'est bien rigolo. Pourtant je suis pas du tout jeu de combat. Quoique foutu une époque j'aimais bien King of Fighter. En tout cas, ça me fait plaisir de vous faire découvrir ça, si vous ne connaissiez pas. Et comptez sur moi, comme d'habitude, pour essayer de vous trouver quelques petites perles. Prochainement, je vais faire un petit travail de recherche. Essayer de trouver des jeux un peu atypiques, comme ça. C'est toujours sympa pour la culture vidéoludique et geek. Vidéoludique. De découvrir des petits trucs comme ça, quand même. En tout cas, moi je me régale, c'est le principal. Oh, carrément, il a une épée lui. Alors, il y a eu plusieurs moteurs Mugen, je sais pas combien ils en sont là. Celui-là, je pense que d'après ce que j'ai vu, ça date de 2001-2002. Donc c'est relativement joli. Pour cette époque. Allez, défonce-le, Goldo. Ouais, ouais, c'est bon. Ah quoi? Ah, y avait, on était passé, arrivé au bout du temps. D'accord. Ouh, tornade dans ta tronche, Bertrie. Allez, réagis, merde. Ah, il n'y a que 100 secondes, 99 secondes. Après, on peut régler tout ça. On peut régler la barre de vie, le nombre de secondes. On peut même accélérer le jeu, si on veut. Quelques petites options. Pour l'instant, Goldorak s'en prend plein la gueule. Ah, vous avez vu aussi les petits rayons qu'il avait au bout des points. Je sais plus comment ça s'appelait. Si vous savez, hein, n'hésitez pas en commentaire, je vous répète. Je vais vous donner des précisions. On aime bien ça. Malheureusement, on peut pas tout connaître. Je kiffe Goldorak, mais je suis loin d'être un spécialiste. Pourtant, Bertie, c'est pas compliqué, il s'y connaît un petit peu en tout. Il est spécialiste en rien. C'est un peu le problème. Il y en a qui diront que c'est un avantage. Je trouve que c'est plus un problème qu'autre chose. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de moi. Ouais, voilà les amis, fin du combat. Finalement, c'est Goldorak qui va gagner, je pense. Encore un coup et... Putain, plus que 8 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2... Allez, juste un coup, Goldo. Oh putain. Time over. Rain does our win. Yes. On a gagné, baby. Bon bah voilà les amis, j'espère vous avoir fait découvrir quelque chose.
Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bien le bonjour chez vous. Bye bye.